Salut tout le monde, c'est Katas. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Nier Automata. Je vais lancer tout de suite mon chrono parce que comme d'habitude j'oublie de le lancer sinon. Et ça c'est terrible, même si maintenant avec l'habitude je commence à peu près à réussir à faire des épisodes sans mettre le chrono en mode. Et ça fait à peu près 45 minutes et en général je tombe juste, ce qui est plutôt cool. Mais dans le doute on va quand même le mettre parce que ça serait dommage qu'on fasse un épisode de 5 heures en mode ah il est trop bien ce jeu, ah il est trop bien, ah c'est trop bien ça aussi, ah bon on s'arrête plus. Donc on s'arrêtera à 40 minutes voire à un peu moins, ça dépendra vraiment d'où on est. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Nier Automata. La dernière fois nous avions affronté notre très cher ennemi préféré. Je crois bien que c'est mon ennemi préféré du jeu en vrai, parce que je le trouve juste ultra charismatique. Donc la diva. Et il y avait eu quelques petits changements et c'est là que ça commençait à devenir intéressant, dans le sens où avec le piratage on en apprenait un petit peu plus sur le lore du vilain. Et ça c'était vraiment cool. Aujourd'hui, du coup, on reprend une ligne un peu plus classique, car on se retrouve dans le village des robots pacifistes, hein, ceux qui ne nous ont jamais fait le moindre mal de A à Z, du début à la fin. Donc on va leur parler avec Pascalu. Bonjour. Avant de commencer, il faut que vous compreniez bien. Je vais peut-être pas faire le double s'il parle. Hein. Je me demande s'il y a une fin cachée en mode si on tue tout le village de Pascal. Oui, ils détruisirent le village de Pascal qui ne les aida plus par la suite et ils moururent comme des grosses merdes. Ouais, t'inquiète, allez voir comment vont les villageois, très bien, on connaît. Bonjour. Ouais, si tu veux. On va aller voir les villageois. Bon, on va peut-être pas se taper tous les villageois. On l'a déjà fait une fois. Voilà. Vous savez, nous entretenons déjà un semblant de relation avec des androïdes. En l'occurrence, j'espérais que vous pourriez remettre ceci à Némon au camp de la résistance. Qu'est-ce que c'est? C'est un filtre à carburant qu'elle nous a demandé. J'espère l'assurer ainsi que nos intentions sont pleinement pacifiques. Ça marche. Très bien. Filtre à carburant. Apporter le filtre à carburant à Anémone. Bon, on va se TP direct au camp des résistants. Hop. Arcade. Oh. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ce truc là. Sauvegarde rapide. Hé, ça marche mieux quand on sauvegarde vraiment. Voilà. On peut pas se TP d'ici. Très bien. Tant pis. Mais on s'en va. Allons-nous-en salement par là. Hop. Je me souviens possiblement pourquoi on peut pas se TP ici. J'aime toujours la musique, hein. Sur Nier Automata ça ne changera pas, je crois que je vais faire le commentaire, je vous le dis à chaque vidéo. Mais la musique c'est vraiment un des trucs que je kiffe de ouf sur ce jeu. Donc ça fait bien bien longtemps que j'ai pas joué. Du coup évidemment je ne sais plus jouer. Ça cette semaine, je crois que sur tous les épisodes je vous l'aurais dit, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué, donc du coup j'ai plus l'habitude de rien. Donc du coup va falloir se réhabituer, voilà, coucou, bam, ça sert à rien par pirater. Donc on va juste frapper comme un gros sac. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Si, il y a l'esquive comme ça. Et voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a à savoir pour le moment, pour réussir à survivre, je pense, dans des conditions raisonnables. Vas-y, on pousse. Bah tu pourrais nous aider au moins, Feignas. Oh mais oh. Il y avait peut-être un coffre derrière, je me dis. Non, c'est bon. Tout va bien, il n'y avait pas de coffre derrière. Bon allez, on part. C'est parti, c'est y part. Ah ouais. Ah bon. だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。 Pas de souci. Le mec est plus doué que l'équipe. Opérateur-san-té. Et plus doué que l'équipe, il corrige les bugs et au final il se fait engueuler quoi. À côté, c'est logique quoi. C'est logique. Il aurait dû soumettre sa proposition sauf s'il était extrêmement dans le jus à l'équipe de maintenance. Qui aurait alors apporté la correction en prenant bien entendu en compte ses conseils et en l'appliquant si la situation était applicable à l'infrastructure. Hop.
La map, on commence à la connaître par cœur en vrai. Enfin, par cœur. Les grandes lignes, quoi. Je sais pas si j'ai bien placé mon micro, on va juste le déplacer un tout petit peu. Voilà, ça vous a bien pété les oreilles, c'est cool. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Il y a un truc ici qui. Une quête! Sale! Pas forcément envie de me retaper toutes les quêtes secondaires, si, hein? Non, moi j'ai pas très envie. Hein. Alors, vous êtes les nouveaux modèles Iora, c'est ça? Ouais, les plus récents, même en y repensant, vous avez besoin de quelque chose? Je crois que des nouveaux comme vous sont à la hauteur de tous les défis, pas vrai? Vous serez peut-être même capable de. Non, je veux pas vous importuner. Une nouvelle subtile demande d'aide. Bon, écoutez quand même. Dites-nous tout, qui c'est, on pourra peut-être vous donner un coup de main. Oh, bien, si vous savez, si vous insistez, en fait, l'un de mes amis a disparu. Disparu, ça a l'air sérieux. Où est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois? Là où il travaille, à l'entrepôt de matériel. L'entrepôt, on pourrait aller faire un tour. Oh oui, s'il vous plaît, sans lui, je vous en supplie. Ouais, on va peut-être pas se retaper toutes les quêtes, si. Vraiment. Ah, vraiment. En vrai, ça m'embête un peu parce que j'ai pas forcément très envie de me faire toutes les quêtes. Enfin, de me refaire toutes les quêtes. Je sais pas exactement plus où c'était, je me souviens plus. Je n'ai plus souvenir de où c'était. Ah, il fallait grimper là, non? Est-ce que c'était la quête où il fallait aller là-haut et ensuite passer par la petite porte ici et c'était là-bas? Allez, viens. Vas-y, roule. Tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Hein. C'est cette quête-là. Hein. Hop, j'ai pas ramassé le loot. Sale que je suis. Un coffre que je n'avais pas ouvert et. Chance accrue. Je crois que ce sont des coordonnées, une cible peut-être, ou une quelconque planque. Pas moyen de savoir, j'annote la carte en tout cas. Très bien. Disparition de la résistance, mise à jour. Bref, du coup, on remonte. Un peu plus, je ne fais que porter des choses tous les jours. Désolé, mais je fais une pause. Ouais, si tu veux. Vas-y. Grimpe, mon petit. Ramasse, mon petit. Cours, mon petit. Bon, on va quand même faire la petite quête, je me dis que bon, voilà. Mais honnêtement, ça va pas être l'objectif, je pense, de ce deuxième try, de se taper toutes les quêtes secondaires. Mais j'ai un peu peur que si on les fait pas, pas que ça nous coûtera très cher, mais j'ai un peu peur que si on les fait pas, ça nous pourrisse un peu le scénario. Quoique, en vrai, c'est un peu d'XP, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas persuadé. Honnêtement, je suis pas persuadé du tout que ça vaille le coup. Alors attendez, parce que si c'est hyper long, on aurait peut-être dû prendre le TP. Ça aurait peut-être été un peu plus pertinent. Quoique, il est pas encore débloqué, si. Si, non, si, non, non, si, si, non, non, si, non. On va voir tout de suite. Vas-y. Transfert. Parfait. Du coup, non. Du coup, non. Allez, salut. Ouais. Mais on va courir, hein. J'espère que c'est pas hyper loin. Ce serait quelque peu agaçant. Je n'avais point prévu de me faire une quête secondaire ce soir. En vrai, est-ce qu'on fait vraiment la quête secondaire, quoi? Surtout qu'on l'a déjà fait, en fait. C'est loin ou c'est pas loin? Ça va se... De toute façon, ça va se décider comme ça. C'est loin ou c'est pas loin? Si c'est loin, on fait pas. Voilà. Et si ça me pourrit mon scénario, eh bien, vous me le direz dans les commentaires et je ferai les quêtes plus tard, mais. En attendant, ouais, c'est vraiment pas à côté quoi. Quoique, c'est juste au bout. Il y a un truc là, ça m'intrigue. Au passage, si on peut. Allez, comme ça, si ça m'intrigue, au passage, on va voir ce point là, ce point d'intérêt, et puis basta. On va la faire quand même. Ah, oh là là, petit lag. Et c'est vrai qu'on peut pas passer par là. Je sais pas du tout si c'est apparent sur la vidéo que j'ai des petits lags, mais j'imagine. J'imagine. En même temps, sur ce jeu, j'ai toujours eu des petits lags. Eh, mon PC commence à se faire vieux un peu. Mon PC commence. What the fuck? Est-ce qu'on a vraiment envie de combattre ce truc? Je ne crois pas. D'un côté, est-ce qu'on a vraiment envie de combattre ces trucs-là non plus? Je ne suis pas persuadé. Voilà, juste le point d'intérêt là-bas. Oh là là, les gros monsieur. Ouais, si tu veux. Ah ouais, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça.
Ah, j'ai bouffé. Et eux, ils bouffent pas beaucoup. Bon, on a pas que ça à faire. C'est bon, on se calme, on a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, clairement. Même si, bon, du coup, on régène de ouf. Si on s'occupe de tous les clampins de la map qui vont nous faire une demi-heure de fight, on n'est pas rendu. Surtout si c'est pour faire une quête secondaire, au final. Alors, du coup, le point d'intérêt, il est où? Au sommet, c'est ça? Et il faut que je grimpe sur toutes les structures, tout basta, basta, pour pouvoir réussir à l'atteindre. Ouais, du coup, pas convaincu, hein. Pas convaincu du tout que j'ai envie de le faire. Pas que j'ai envie d'y aller là. Bon, ok, Osef, du coup. Du coup, Osef, hein. Parce que là, on y est et on n'y est pas, en fait. Donc, à moins qu'il y ait un passage secret quelque part que je ne connais pas, on s'en fout et on va par là. On s'en fout et on va par là. Et calme-toi. Faut pas trébucher au moindre... à la moindre dune, voyons, Johnny. Ouais, si tu veux. Je crois me souvenir qu'elle était pas si simple que ça, cette quête, à la fin. En même temps, mes souvenirs, voilà, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si c'est important de refaire les quêtes secondaires. Est-ce que ça a une quelconque incidence sur notre score final, entre guillemets? Parce que je voudrais pas skip les quêtes en mode comme on est sur YouTube, on évite de refaire ce qu'on a déjà fait parce que c'est chiant de revoir ce qu'on a déjà vu. Et je l'ai fait peut-être en hors vidéo, mais pareil, moi refaire des quêtes que j'ai déjà fait, c'est rarement mon délire. Ah, eux c'est des solides. Du coup. Eux c'est des solides du coup. Aïe aïe aïe, ça picote! On est en train de me bouffer. Hein. Regardez la vitesse à laquelle on régène, c'est juste monstrueux. Hein. C'est pété ça, j'adore! On est monstrueux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bon, lui, il est un peu plus solide que les autres. Hein. Donc, du coup, il va falloir quand même faire gaffe. On voit que dalle, hein. Tabasse un peu quand même, hein. On dirait nous aussi, mais ça recharge vite cette compétence. Peut-être reculer un petit peu, histoire de régène. Surtout que j'ai l'impression qu'on peut taper un peu à distance, du coup, on va tranquillement régène sans se prendre trop la tête. On est tellement fort maintenant, je trouve ça juste abusé, quoi. Vous avez vu ça? On a récupéré notre vie, on a même plus besoin d'objets de soins au final. Ça faut vraiment le faire quand l'ennemi est proche, quoi. Au contact. En même temps, on peut le faire assez fréquemment. Vous avez vu, c'est déjà open. D'accord. Cette machine avait des sentiments.
Tu veux dire que cette machine était en fait un homme qui est devenu une machine? Le mec qui commence à se faire ses films et ses suppositions, quoi. Bah ouais, malheureusement. Hein. Allez, salut. Deux êtres animés par la vengeance, le plus faible a perdu. Très bien. Ça, c'est de la morale. Qu'est-ce qu'il y a par là? Vous croyez qu'il y a des trucs intéressants? Genre, les mecs s'amusent sur un caillou, moi je vais juste ramasser le loot et puis je me casse, hein. Puis on retourne voir Anemone. Enfin, d'abord rendre la quête et puis ensuite voir Anemone. Donc du coup, ouais, ce que je disais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est intéressant de refaire les quêtes secondaires, si ça a une vraie incidence sur le scénario. Et par là, j'entends pas juste une incidence sur ce que je peux apprendre moi du scénario, mais plutôt si ça impacte mes... Si les choix moraux que je fais, entre guillemets, hein, parce que de faire ou de pas faire telle ou telle quête... Ça a un impact sur la fin du jeu. Et sur les versions de l'histoire que ça débloque, quoi. Mine de rien, cette quête, elle nous aura quand même pris un peu plus de 16 minutes. Avec l'intro, tout le bazar. Et la remise en contexte. Et le retour à la ville. Bon, ça aurait pris un peu moins de 16 minutes, quand même. Mais ça aura quand même pris un peu de temps, quoi. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu, retourner voir Anemone, tout ça. Rendre vite fait cette quête, éviter de pourrir des monstres inutiles, éviter de se prendre la tête avec des points d'intérêt qui ne sont pas intéressants, et puis se casser surtout. Malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Je suis bien frustré quand même. Par là. On va passer par là, on va pas se prendre la tête, on va prendre le même chemin qu'on a pris à l'aller. Oui, on les a déjà vus, calme-toi. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'on les affronte. Je crois qu'on les avait déjà affrontés en plus en vidéo. Et je crois que c'est pas que ça avait bugué, mais c'est qu'ils étaient genre immortels, donc c'était très relou. Ou alors c'était peut-être un bug qui les a rendus mortels. L'un ou l'autre, hein, au choix. À vous de voir ce que vous préférez comme version. Le gros machin veut ma mort. Très bien. Mais c'était pas grave, parce que le gros machin, je l'ai slash ignore. Oh! Je peux rester appuyé sur cette touche, vraiment. J'ai bien envie de tester ça. Je savais pas que je pouvais rester appuyé pour le buffer ce truc là. Donc du coup si je fais ça à proximité de ces créatures, ça touche. Que dalle ! La déception. C'est bien inutile. C'est tout pourri. Oh là, la déception. Ou alors j'ai touché mais j'ai pas vu sa vie descendre. Parce que je ne le focusais pas, je ne le ciblais pas. En tout cas, je savais pas que je pouvais rester appuyé sur cette compétence. C'est bon à savoir. Je trouve ça carrément sympa. À savoir si c'est vraiment utile. Parce que par rapport au rayon laser de la mort qui tue, pas sûr. Le rayon laser m'a l'air d'être quand même plus efficace à distance et l'autre truc plus efficace au contact. D'un côté, on a le missile marteau. Ah, lance mécanique, je peux changer mon arme, j'avais jamais fait gaffe. Ok. Poda, mitrailleuse, mirage, missile, marteau, j'ai deux pods. Du coup ça c'est mirage. Ouais c'est ça. Ça c'est mirage. Ça a quand même sacrément la classe. Et ça marteau. Ça a de la gueule aussi. Et missile c'est... on connaît. Missile c'est ça. Ensuite il tire. Enfin il relâche le tir et basta. Vous connaissez maintenant. Faut que je switch plus souvent, je pense, de pod. Je pense que ça pourrait être pas mal de switcher un peu plus souvent. Enfin bref. Au final, ce deuxième try nous aura permis d'affiner un petit peu notre compréhension du jeu. De manière générale. Je vais dire la vérité. Hein. Non, oh non. Mais il n'était pas assez fort, c'est la machine qui a eu le dessus. Petite machine, je vais toutes les massacrer. Hé, un instant du calme, on s'est occupé de la meurtrière. C'est vrai? Ouais, donc plus personne n'a besoin de se venger de quoi que ce soit. Mais alors, que me reste-t-il? Personne à aimer, personne à tuer. Je n'ai plus rien. Ce n'est pas... Viens, Inès. Écoutez, on reviendra, ok?
On repassera l'occasion pour prendre des nouvelles. La dernière fois, je crois que je lui avais menti. C'est pour ça que cette fois-ci, je lui dis la vérité. Allez, cette fois-ci, on parle à Anémone. Tenez, c'est de la part d'une machine qui s'appelle Pascal. Un filtre à carburant, ça tombe bien, on commence à en manquer. Mais ça veut dire que vous avez rencontré Pascal? Eh oui. Alors comme ça, on pactise avec l'ennemi. On traite qu'avec les machines du village. Elles sont inoffensives et elles savent fabriquer des appareils sophistiqués trop complexes pour nous. En échange, on leur fournit du carburant et des matériaux divers. De fait, il s'agit d'une forme de troc. Je vois. Enfin bref, si vous repassez là-bas, vous pourriez donner cette fuite de la viscosité élevée à Pascal, s'il vous plaît? Bien sûr. Une visqueuse. Parfait. Et là. Et là. Perfecto. Bon, du coup, on est obligé de retourner voir Pascal. Donc, on est obligé de reprendre le chemin inverse. C'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, on a retenu comment ça marche. Oh mon dieu, il nous a piraté. Bah non, tu viens de me hacker, donc en vrai... J'ai pas particulièrement confiance. Bon, on amène une huile à viscosité élevée dans ton village, donc j'espère bien qu'on est bien, qu'on va être au minimum bien accueillis, quoi. Saloupio, bah. Tiens, j'ai l'impression qu'on traîne un peu dans la flotte. En termes de vitesse. Je crois pas qu'on soit très très loin. Dans ce sens-ci, j'ai un peu plus de mal à me repérer. Mais je crois que je suis dans le bon sens, dans la bonne direction et tout ça, tout ça. Je crois pas que je sois en train de me paumer. Enfin, normalement, tout va bien. Normalement, c'est là-bas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je crois que j'ai vu, j'ai cru... j'ai cru voir des pixels là-bas, des cubes, non? J'ai cru voir une map qui a eu du mal à charger, non? Non, non, non. On a fermé les yeux, c'est ça? Vous avez cligné des yeux, vous ne l'avez pas vu? À l'instant d'avant? Bien, c'est pas mal, ça. Hello, Pascalu! Ah, il est à l'étage, Pascalu. Hop. Alors non. Pourquoi t'es descendu? Mais Grappolos! Ces échelles de la mort, mais on peut savoir ce que... Ah, bien difficile de grimper à une simple échelle, quoi. On a failli être vaincu par une échelle. Come on. Oh, vous m'avez apporté de l'huile à viscosité élevée. Anémone est si prévenante et attentionnée. Si seulement tous les androïdes et toutes les formes de vie mécaniques pouvaient apprendre à s'entendre ainsi. Ça, c'est pas demain la veille. J'ai bien peur que vous ayez raison. Je vous en saurais gré si vous pouviez aider certaines des autres machines, cela dit. Tu crois que j'ai que ça à faire? Ça fait boum. Oh, je m'en souviens ça. Vago. C'est pas là où on avait fait la fin bizarre où on s'était enfui et Et du coup ça avait tout flingué. Ça avait tout flingué je crois. On avait eu du coup une fin un peu spéciale. Si je crois que c'était à ce moment là. Genre il y a le Goliath qui va apparaître sur la gauche de la map là. Enfin sur la gauche par rapport à l'endroit où on est. Non, 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 t'entends très mal. Ça capte pas très bien. Deux Goliaths. Deux Goliaths. Ah bien. La même que la dernière fois. Et ouais. Je me souviens pas que c'est un combat volant, mais... Map data
司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。C'est par là? Je m'en souviens. J'ai cru que j'avais fait de la merde, mais en fait non, je me souviens très bien d'où c'est. Il y avait aussi le camp de la résistance à voir, je crois. Il y a un point au camp de la résistance, en premier lieu, non? Quoique la quête principale, elle est à notre droite, mais... par rapport à l'endroit où on est actuellement. Les animaux fuient. Alors, pas que les animaux, j'ai l'impression. Tout le monde un peu fuit, non? Alors, qui a-t-il à la résistance? Le ciel qui d'un coup est devenu gris, quoi. Et c'est une quête secondaire, genre. Il y a un Goliath, mais c'est la quête secondaire. Je crois qu'on pouvait pas aller au camp de la résistance ou je sais plus quoi. Non, ils vont pas nous mettre un petit message en mode nerf. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Vous cherchez la fille qui traînait dans le coin, elle est partie il y a déjà un bout de temps. Elle avait l'air drôlement énervée, elle est partie armée jusqu'aux dents. Oh non. En fait, je viens de me rappeler qu'elle voulait vous remercier. Tenez, prenez ça, tout ça vraiment? Ouais, elle a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Eh, me regarde pas comme ça, je n'y comprends rien aux bonnes femmes, moi. Ok. Je vais quand même se venger. Ah, on a fait pas fini la quête. C'est pour ça. Très bien. Du coup, on a gagné des golds et tout et tout. Très bien. Ça, c'est cool. Des golds et du loot. Ça me va. Du coup, on va finir sur ce combat, je pense. Parce qu'à 26 minutes, le combat va pas nous prendre 30 secondes. Donc à mon avis on va finir sur ce combat qu'on a déjà fait aussi. Mais bon, donc il va peut-être y avoir certaines spécificités. Ouais, je me souviens plus hein. Tout va bien, calme-toi. C'est dans ce bâtiment, fallait genre grimper jusqu'au sommet de mémoire. Et genre c'était un peu chiant parce qu'il y avait des petits entre-étages et c'est comme ça qu'on grimpait dans le bâtiment, basta. Donc go. Là on va utiliser cette touche à fond. Allez grimpe Johnny, grimpe. Parfait, donc cette porte est bloquée. Parfait. Tellement pas le comportement que je m'étais déjà planté la première fois, je crois. Hein. Ouais, hein. De mémoire. De mémoire, c'était déjà pas là la première fois. C'est ça, hein. Dites-moi que je me suis encore trompé. Vous avez le droit de le dire. Ah, attendez. Là, il y a des étages, faut pas déconner. Donc, en fait, on était monté trop haut, mais là, il y a des petits escaliers, donc on va en profiter. Ça, je me suis bien rattrapé, non? La dernière fois, je m'étais bien planté, là, je me suis pas mal rattrapé, on va dire. J'ai aussi retrouvé des escaliers et tout. Direct. On n'a pas été trop long. Ah oui, ça, c'est chiant, je déteste. Oh, ça va, premier coup. J'aime bien quand ça se passe comme ça. J'aime mieux même quand ça se passe comme ça. Ah bon, c'est pas par là. Hein. C'est là. Oh punaise, je fais des bêtises. C'est genre il faut s'accrocher là, mais c'est chiant. Ah non, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Jusqu'à ce qu'on tombe comme des caca. Mais ça aurait pu être pire. On y est presque, je pense. Même si on est en train de grimper un peu comme des retards dans le bâtiment. Alors qu'on aurait pu, je pense, très rapidement trouver le bon truc. On n'est pas au bon étage, c'est ça? C'est encore au-dessus. C'est encore au-dessus.
Ça ne s'arrête plus, on grimpe. Hein. On fait pas de bêtises, ça serait chiant qu'on tombe de 10 étages. Ça va, calmez-vous. Oh, mais quel idiot! Quel idiot! J'ai pas fait gaffe, j'ai avancé comme un retard, comme j'avais dit, et je suis tombé dans le trou. Il y avait un trou et je suis tombé dedans. Comme un idiot. Et donc, c'est bon, une fois peut-être, pas deux! Engels! Bon, on le fume en fait. On s'en tape, non? On l'a pas esquivé là, hein. C'est bien dommage. Oui, aïe, 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 oui. On peut régénérer là 30 secondes? Ça vous embête pas? Ça me régène. Pas l'esquiver ça. Pas grave, on a une régène de gros sac en vrai. Et on est full vie, on a utilisé qu'un objet. Moi je dis ça, je dis rien. Pour bourrin, hein. Ah, on a été touché. Ça, c'est bien passé, tout va bien. Et là, on bourrin. Pas sûr que ça serve à grand chose dans ce contexte, ce pouvoir-là. Pareil pour le marteau, du coup. Quand tu fais ça. Ah, touché. touché. Je dis c'est naze quand il fait ça et finalement il touche. Bien dommage. Ouais, c'est les grosses boules violettes qui sont chiantes donc du coup, vu que j'ai pas très envie de taper au corps à corps en même temps. Ah, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Là c'est le moment d'esquiver. Là aussi. On en profite pour bourrin quand même, sinon c'est pas drôle. Ah, pas esquivé. J'ai la flemme. Faut croire. Allez, bourrin. Ça va, c'est facile, hein, mine de rien. Le deuxième try est beaucoup plus simple que le premier, j'ai l'impression. Ou alors on avait déjà pas galéré sur le premier, je me souviens pas. Je dis ça maintenant, mais quand tu auras les mobs un peu plus costauds, ça sera pas la même bataille à mon avis. Déjà ils ont augmenté un petit peu le niveau général des ennemis communs. C'est plutôt cool. Là on est juste en train de le pourrir. Hein. Je me demande si le marteau fonctionne, j'en doute, mais... Ça fait zéro dégâts ce truc-là. Ah, j'ai foncé dedans. C'était pas une bonne idée. On a pris un level là-dessus. Plutôt cool. Je me demande si j'aurais pu le pirater, j'en doute. Je doute que j'aurais pu le pirater. Mais bon.
Tant pis. Hop, les modules de vol. Bah alors, on peut pas prendre les modules de vol. Un petit message pour dire qu'on a le droit. Ou alors faut se mettre devant. Ah oui, ça c'est devant. Pardon, excusez-moi. Bon. Alors ça fait longtemps aussi qu'on n'en a pas fait. Et encore autre chose. Hein. Si on a beau régène comme des sacs, ça va pas être la même bataille. Ah, c'est des missiles qu'on a. Hein. Vous avez vu? Ça joue aussi. On peut changer. J'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait faire ça. Bon, bah, on va le pourrir. Hein. À partir du moment où il bouge pas comme là, je veux dire. Aïe aïe ouïe. On va se prendre le retour. Mais on régène comme des porcs, de toute façon on s'en fout. On s'en fout tellement, on régène comme des porcs, on est déjà full life. Je veux dire, en plus, il tire tout droit pendant 10 minutes. Genre comme si on allait rester 10 minutes tout droit. Voilà, on peut pas faire grand chose, c'est que mon robot n'esquive pas. Mon module de vol ne veut pas esquiver, hein. Je spam la touche mais pas d'esquive, hein, regardez. Je spam la touche, je n'esquive plus. Ah, ça y est, ça marche. Super, quand je dis que ça marche pas, ça marche. Génial. Et puis quand je dis qu'on peut pas se prendre le rayon, on se le prend, c'est génial ça aussi. C'est beau. C'est beau à quel point on peut être mauvais en moins de 30 secondes juste en racontant des conneries et en se vantant comme un sale. Voilà, ça c'est les missiles. Juste les esquiver tranquille, je gêne. Je vais esquiver ça aussi tranquillement. Puis je vais taper. Sinon là y'a rien de complexe hein, honnêtement. Y'a juste un bourrin comme un sac. Et voilà. On a gagné 2 levels là-dessus, sérieux? C'était tout naze, on mérite pas 2 levels quand même. Bah ouais, moi je trouve pas qu'on méritait 2 levels, carrément 1 level par Goliath. Pourtant c'était hyper facile. Ah! Je m'en souvenais plus de ça. C'est bien parce que j'ai fait le jeu, je le refais, il y a des trucs dont je me souvenais plus du tout quoi. Voilà, c'est l'explosion, il va faire le gros trou. C'est ça. On va s'arrêter, je crois. Exactement comme on s'était arrêté lors de du premier try. Alien. Alien. Très bien. Yora, for the glory of mankind. Bon. Bah du coup, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, les amis. Parce qu'on a atteint le même point de l'histoire, je crois, que le point où on avait déjà fait la dernière fois... notre petit arrêt. Pas de changement sur cet épisode par rapport à la dernière fois. J'ai l'impression qu'on refait la même chose. Qu'il n'y a pas eu, pas eu de gros changements. J'aurais dû tenter de les hacker, ça aurait peut-être été drôle. Alors,
地上にいる夜ハブ隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。Bon. 司令部の情報をもとに信号発信源を予測。マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ。Pas de souci, on va s'arrêter là, les amis. To be って大雑把なところがあるんですね。C'est une zone normalement on doit pouvoir sauvegarder ici. Ah non. Oh. On peut pas sauvegarder ici. Très bien. Au pire on est où? Au pire on est où? Au pire on est là. Au pire ça aux F. Au pire je retourne au camp de la résistance. Parce que là je sais que je peux sauvegarder donc. Vous me direz là-bas il y a un petit point. Je peux peut-être pouvoir le choper celui-là plus facilement. Je vais choper ce point-là et puis on va sauvegarder là-bas. Hop! De mémoire, ceci est plus simple à obtenir. De mémoire, ceci est plus simple. Parce que l'autre, je sais pas où il est. Sûrement au sommet du bâtiment, j'ai vraiment la flemme pour le coup d'aller le choper. Du coup, j'ai chopé le petit en bas là. Et je sauvegarde et on s'arrête. Bah, du coup, il y a presque pas besoin que je vous garde. Bon, tu vas nous faire un speech à chaque fois, quoi. Sérieusement? Il y a pas besoin que je vous garde, je pense, pour récupérer une sauvegarde. On va s'arrêter là. Ouais, calme-toi. Du coup, les amis, eh bien. D'accord, très bien, ma voix s'est barrée complètement. Sucette, c'est parfait. Du coup, les amis, si cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo également, rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront comme d'habitude en description sous la vidéo. Bon visionnage à vous, c'était Kata, c'était ciao! Ciao!